Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo placée sous le signe des loups, comme je vous en parlais dernièrement. Mais comme lui s'est fait remarquer en premier, eh bien vous voyez, j'ai réussi à trouver une astuce pour faire revenir des enfants, des personnages, on va dire, dans le village. Sans m'en rendre compte, en fait, les lits qui étaient disponibles dans certains lieux du village, mais en fait n'était pas occupé, et le simple fait d'avoir construit ce nouveau bâtiment, eh bien ça a fait venir ce petit bonhomme qui, je l'espère, va devenir un des prochains villageois et qui va s'occuper de prendre certains métiers qui me manquent. Mais revenons au sujet qui nous intéresse, à savoir les loups. Les loups, vous le savez depuis la snapshot 24W10A du mois de mars dernier, ils ne sont plus identiques, il y a maintenant 9 espèces, 9 variétés, je sais pas comment vous voulez les appeler. Espèces, c'est vraiment le nom quand on parle des animaux, je crois, hein. 9 espèces de loups différents, et celui-ci, le loup des bois, c'est celui qui est devenu le plus courant. Il a remplacé le loup blanc qu'on avait l'habitude d'avoir. Voilà, donc le loup des bois, hop, j'en ai installé quelques-uns ici autour de leur petit panneau. Voilà, donc le loup des bois, on le retrouve un petit peu partout. Il remplace donc, ce que je vous disais, le loup qui est devenu un peu moins fréquent, le loup pâle, que l'on avait l'habitude d'avoir auparavant dans Minecraft. Troisième variété, troisième espèce, le loup tacheté, que l'on va retrouver dans la savane, assez sympathique. Et puis on va passer maintenant aux espèces un petit peu plus exotiques et compliquées à trouver, à savoir le loup noir de la taïga. Alors c'est la taïga avec les arbres. D'accord? On passe à un autre loup qui se trouve dans la taïga, le loup cendré. Voilà, et donc lui il est dans la taïga avec de la neige. Et enfin, celui qui aurait été pour moi le plus compliqué pour l'instant à trouver, le loup à rayures, qui ressemble un petit peu à une, on va dire, à une hyène ou à un loup. Alors je crois qu'il y a un loup spécial, je sais pas si c'est un loup ou un renard dans la vraie vie. Et donc lui, j'ai été le chercher dans les Badlands, mais alors les Badlands avec du bois, encore une fois. Et puis un grand bois, c'est-à-dire que premier Badlands que j'ai pas loin par là-bas. Dans mon désert, le premier désert que j'ai trouvé, bah, ça n'a pas suffi, il a fallu que je traverse ce désert, que j'aille encore un peu plus loin. Donc j'ai mis pas mal de temps, et me voici arrivé au 318e jour de cette partie, donc sans mourir, toujours en mode snapshot, c'est-à-dire que, comme d'habitude, dès qu'il y a une nouvelle snapshot, je l'installe et je joue dessus, et si possible en ayant les shaders. Voilà, donc assez content, il reste donc deux variétés de loups que je n'ai pas trouvées, et je vais aller creuser. Hop, je vais me mettre par ici parce que ça sera peut-être le prochain objectif. Je vais aller chercher les autres loups qui me manquent. Il me manque aujourd'hui. Tac, tac, tac. Donc ça c'est. Alors il me manque le loup des neiges, qui est potentiellement dans les zones purement enneigées. Et puis il me manque le loup marron qui devrait se trouver dans des taïgas anciennes de sapins. Donc lui, je pense que je vais pouvoir le trouver, mais il va pas être évident, évident. Puis après, il faut surtout avoir le biome qu'il faut pas trop loin. Voilà, donc dès que je trouve ces nouveaux biomes, j'essaierai de trouver là aussi les loups qui vont bien pour les ramener ici et pour finir cette collection de loups. Voilà. Zut, je suis reparti pour vous en montrer les loups, mais c'était pas ça le but du jeu. Je m'étais posé là-bas à côté, hop, d'une carte qui a bien voulu m'échanger un cartographe, et j'ai ici, hop, cette nouvelle carte des épreuves qui potentiellement ne ressemble pas du tout à celle que j'avais ici, qui m'avait permis de trouver la première chambre des épreuves.
et qui aujourd'hui, bah, même en mode funeste, j'ai réussi à la terminer, on va dire, ou à faire le tour. Qu'est-ce que tu fous là, toi, en pleine nuit? Mais qu'est-ce qu'ils font, eux, là? Eh, viens là, toi! Ah bah, ça manque de golems par ici. Ils sont où mes golems? C'est pas vrai. Bon, et eh ben je vais m'occuper de ça aussi. J'ai pas trop envie que mon village se fasse ravager par des hordes. Tiens, un petit chat. Par des hordes de zombies, ça serait bien dommage. Même si bah, ça m'intéresserait bien de. J'en ai entendu un là. Oh, me dites pas qu'il y en a un là-dedans. Oh bah si. Waouh, super. Bon, les golems qui se mettent à se mettre là-dedans, c'est nul. Alors, ici, tout le monde est revenu. Bah non, il en reste encore deux qui sont partis se promener. Ah non, j'espère qu'ils n'ont pas été transformés. Bon, je reviendrai voir ça. Mais là, je vais aller fabriquer du golem pour m'assurer que. Mais il n'y a plus de golem qui se balade. C'est dingue ça. Bon, et ben voilà. Et ben je sais qu'elle. En voilà un ici qui traîne. Deux. Et donc plus tant que ça, parce qu'il devrait y en avoir d'autres. S'il y en a un là-bas. Trois. Ça fait pas beaucoup. Bon, on va en refaire. Voilà, ben c'est ce que je vous disais. Les prochains objectifs, donc trouver la nouvelle chambre des épreuves et commencer à l'explorer, pourquoi pas. On va donc fabriquer du golem et les positionner par ici de manière à empêcher. Il y en a un qui est pas heureux là. Oui, bah fais le tour maintenant. Allez. Ah, il va attendre le jour, lui, il se cache. Oui, bah tu restes caché, t'as raison. C'était quoi? Oh, punaise. Allez, viens. Viens avec moi. Croyez que la tire là? Hop. Et retourne au lit. Voilà. Et il en manque quand même un. J'espère qu'il n'est pas mort. Bref. Prochain objectif, peut-être prochaine vidéo. Nouvelle chambre des épreuves. Aucune idée de l'emplacement où elle peut se trouver. Est-ce que c'est par là-bas ou est-ce que c'est par là-bas? On verra bien. Pour l'instant, quand je me déplace sur la carte, ça m'a plutôt l'air d'être par là, mais on verra bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Salut!